Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Mes frères et sœurs, ce à quoi on assiste sur la planète, c'est extraordinaire. Moi franchement, je n'ai jamais vu ça. Et ce que vous allez voir dans cette vidéo, mes frères et sœurs, que ça vous amène à vous réveiller et à prendre la décision qu'il faut, pour vous positionner sur le bon chemin. Ça va être chaud. C'est parti. Nangs Reborn. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons voir des choses assez étonnantes. Ici, des humains vont décider de faire des choses bizarres avec des poupées. Ah, même avec des robots, mes frères et sœurs. Et si les humains étaient plutôt remplacés par des robots? Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on voit ici? Il me semble que c'est une femme. Et cette femme-là est face à un visage. En fait, c'est un robot. Un robot qui a la forme ou encore l'apparence d'une femme. Et ce robot-là est en train de regarder ce nouveau visage. Est-ce que c'est ça? Je pense que ça doit être ça. Mais regardez ça. Je dis qu'à l'intérieur d'elle, c'est sans doute un robot dans sa totalité. Et ce robot-là est en train d'être fabriqué par les humains pour venir nous aider dans notre tâche. Je suppose. Regardez. Ici, on voit une femme qui est tout simplement en train de se faire aider par un robot. Un robot qui a une intelligence aussi artificielle, sans doute assez puissante, pour qu'elle puisse l'associer à son travail. Et regardez, c'est vraiment assez étrange. C'est rare de voir de telles images, mais les choses sérieuses ne font que commencer. Ici, on voit qu'une autre femme qui est en train de jouer avec son robot. Et ce robot-là, il réfléchit. Il réfléchit. Mais comment vais-je faire? Est-ce qu'elle voit dans mon jeu? Est-ce qu'elle sait que je peux réfléchir comme elle? Ou encore la piéger? Mais dans des pièges, imaginez un monde où les robots réfléchissent comme les humains. Que se passerait-il après? Que se passera-t-il après? Mes frères et sœurs, c'est exactement ça. Ce qui va se passer après, c'est que les gens vont commencer à faire des choses bizarres. Ici, c'est un homme qui est tout simplement assis sur une table en amoureux avec une poupée. Une poupée. Et ici, ça devient grave. Là, les humains ont décidé de sortir en amoureux avec des poupées. Et regardez comment ils sont collés l'un à l'autre. Et on a l'impression que cette poupée-là, elle est vivante. C'est comme si elle vivait. Et cet homme, il est vraiment sérieux de son amour. Et quand on va plus loin, mes frères et sœurs, ça devient grave. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? On voit un homme qui est dans la touche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas même avec la poupée-là? Il me semble qu'il est en train de prendre un bain. Et il prend son bain avec une poupée. Regardez ce que ça donne. Ah, quelle image! Ah, quelle image! J'ai jamais fait tout pareil. Et cette poupée-là, il me semble que... Ah! C'est comme si c'était sa femme. Hein? Mes frères et sœurs, est-ce que vous imaginez des trucs? Et c'est réel. Elle ne peut même pas réagir. Comment va-t-elle réagir? Elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle ne peut même pas penser que c'est un objet. Ah! Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à la tête des humains? Déception amoureuse. J'ai trop été dessus des humains. J'ai trop été dessus des hommes. J'ai trop été dessus des femmes. Donc pour pouvoir bien me mettre dans ma peau, il faut maintenant sortir avec des poupées ou des robots. Mes frères et sœurs,
c'est un péché même. Ce dans quoi vous êtes en train de vous mettre, c'est un grand péché. Ah, c'est quoi ça? Regardez encore. Et là, ça devient grave. Les choses deviennent difficiles, tout sourire. La poupée elle-même, elle est surprise. Elle regarde. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus... Il devient fou, disons-le. Les gens deviennent fous. Quoi? Des poupées, tu as vu beaucoup de femmes sur la terre? Non, ce sont des poupées. Poupées est mieux aujourd'hui. Mes frères et sœurs, là, ça devient sérieux. Et regardez, et les gens sont sérieux dans les actions. Et que pouvez-vous dire de cela? Mon frère, toi qui regardes tes vidéos, seras-tu prêt à utiliser une poupée comme ta deuxième femme? Bon, comme ta femme, ta femme principale, tu sors de la maison, tu rentres dans ta voiture, ta poupée est là. C'est ta poupée qui te transporte là, tu dois partir. Hey! Mais dans quel monde sommes-nous? Ou devrais-je dire, dans quel monde sommes-nous en train de partir? Quelque chose de bien sérieux, mes frères et sœurs. Il faut se réveiller. Ça, c'est pas du tout normal. Est-ce que c'est normal? Il n'y a rien de normal là-dedans, dans ça. Regardez encore. Et la poupée est tellement réelle que vous ne pouvez même pas vous douter qu'il y a un problème. Regardez. Elle est si réelle, elle est belle même en plus. Quelle est la différence entre cette femme et une femme ordinaire? En tout cas, quand vous allez la voir assise même là, dans votre fauteuil chez vous, vous allez la saluer parce que vous n'allez même pas penser que c'est une poupée qu'elle a tellement. Les humains ont tout mis en œuvre pour commettre un grand péché comme ça. Faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention, mes frères et sœurs. Regardez vous-même. Ces choses deviennent de plus en plus graves. Nous n'avons besoin de vous révéler cette histoire. Regardez là. Il part en voyage, on dirait. Elle lui part en voyage avec sa poupée. Et c'est une poupée gonflable. Et ce qui est étrange dans cette histoire, que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il y a également ce qu'on appelle des robots sexuels. Les robots sexuels, ce sont tout simplement des robots, comme ce robot qui est là, avec qui les gens peuvent avoir du sexe. Les gens peuvent aller avoir des rapports sexuels avec des robots. Et je vous parle de quelque chose. Les gens vont avoir des rapports sexuels avec des robots, je vous dis. Et le robot là se comporte exactement comme un humain. Waouh! Mais c'est assez étonnant. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord le conçu, d'abord l'appareil génital d'une femme doit être là. C'est comme ça la poupée a. Un appareil génital. Et l'homme il sort de la maison comme ça. Et cet homme là, il prend la poupée et il positionne la poupée là devant sa voiture. C'est-à-dire il a assis au volant lui-même. Et sa poupée elle a juste à côté. Et il lui donne une bise. Tu es jolie. On lui a posé la question, ça, mais pourquoi est-ce que aujourd'hui tu as choisi d'orienter la vie de cette façon? Il dit, oh, laissez-moi tranquille, je suis joli, j'ai trop été déçu par les hommes, par les femmes. Les femmes m'ont trop déçu. Il fallait que j'arrive à m'établir. Il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais rester seul. Oui, René, j'ai trouvé une très bonne solution. C'est d'aller sur internet et chercher à savoir moi aussi je pourrais avoir entretenu une relation sérieuse et sincère avec une poupée ou un robot sexuel. Ah! Et quand vous arrivez chez lui, sur sa table, à la place de sa poupée qui est sa femme, et cette femme là, est-ce qu'elle va te donner de bons conseils? Est-ce qu'elle va te parler un jour? Non. Mais les gens sont là. Ah, c'est ma poupée. On peut sortir, on peut même aller
dans un endroit, un restaurant, même à l'époque d'un père. Et tous ceux qui sont maintenant dans la famille, ils savent, ils se rendent compte que aujourd'hui, c'est leur frère, leur soeur, bon, leur frère, il a eu une nouvelle femme. Et sa femme là, c'est une poupée. Imaginez-vous-même de cette histoire. Est-ce que ça, c'est une histoire d'amour? Moi, je préfère vous dire que c'est une histoire de péché. Les humains sont en train de désobéir à Dieu. Les humains veulent tout simplement changer ce que Dieu a établi. Ils veulent réfléchir à la place de Dieu. Ils disent, non, Dieu, tu n'as pas bien créé. Tu n'as pas créé que l'homme. Il faut que nous fassions des transformations sur nous. C'est comme ça que les femmes vont commencer à se transformer, les saints. Elles disent, oh, mes saints ne sont pas comme ceci. Alors, voir un chirurgien pour qu'il puisse changer mes seins en comme ça. C'est comme ça que les femmes ont commencé à changer les seins, les fesses, à apporter des modifications. Et ça continue. On a l'impression qu'au fur et à mesure que la science se développe, le mal du peuple s'augmente, le problème du peuple s'augmente, les problèmes des humains s'augmentent. On parle aujourd'hui de tampons digitales. Il y a la technologie 5G. La technologie 5G, c'est intéressant. Mais les effets que ça produit sur l'homme, c'est inquiétant aussi. On doit aussi prendre ses rencontres. Vous voyez où ça va? Les gens font fabriquer des bombes atomiques. Toutes ces histoires bizarres. Regardez. Tout ça pour détruire l'homme. On a l'impression que la science aujourd'hui est fait pour arranger l'homme en partie. Sinon, dans la majeure partie du temps, ça détruit les humains. Mais regardez, un humain qui décide d'avoir des rapports sexuels avec des poupées, se marier avec des poupées, et ça s'appelle une histoire d'amour. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est normal? Vous n'avez jamais vu que c'est tout pareil quelque part? Nous vous invitons à chercher, à faire des recherches. Et si vous, vous êtes dans cette situation-là, et vous avez des poupées comme ça, et vous pouvez aimer les poupées là, vous avez même des rapports sexuels, et vous décidez même, ces stories, les femmes là, ces femmes, elles sont là, elles ont leur jouet, leur jouet sexuel. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'hommes, elle est seule quand elle marche tranquillement, elle va au travail, elle vient rentrer à la maison. Mais quand elle est seule dans la maison, là, Dieu sait ce qu'elle fait là-bas. Elle aussi, elle a une poupée, mais un robot. Et ce robot-là, c'est lui qui lui fait les choses. Et elle utilise toutes ces histoires-là. C'est un péché qui met en enfer. Nous voulons aller au paradis. Ce sont tes actions-là qui vont juger si tu vas aller au paradis ou en enfer. C'est que tu as fait des choses comme ça. Toi, tu n'as pas dit qu'il y a un problème. Tu as dit que non, tu as cru que c'était de l'amusement. Il y a quelque chose qui était juste m'amuser et que c'était un jouet comme tout le monde. Mais ce jouet dont tu as peut-être parlé là, tu as mis des rapports sexuels avec ce jouet. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et sœurs, nous devons nous réveiller et abandonner ces choses-là le plus rapidement possible. Si vous êtes d'accord avec moi, cliquez sur j'aime, cliquez sur abonner, cliquez sur la cloche pour la TV. En plus, c'est gratuit. Pour pas vous prendre la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! La scribale.